Donc, sans plus tarder, parlons Japon. Donc, je vous montre d'abord une photo de l'archipel au complet pour vous situer géographiquement un peu les points forts pour la randonnée. D'abord, tout en haut au nord, l'île d'Hokkaido, pour sa région volcanique tout au centre. Ceux qui font du ski, bon, je dis ça comme ça, mais c'est aussi là que ça se passe pas mal. Mais bon, c'est pas là qu'on va présenter nos voyages. Mais sachez que c'est quand même un pôle pour la randonnée au Japon. Sinon, ben, l'île d'Honshu. Honshu, c'est l'île principale du Japon, de l'archipel. Donc, tout au centre, c'est l'île principale. C'est la crevette ou l'hippocampe, si vous avez un peu d'imagination. C'est son corps. Et donc, principalement les Alpes japonaises, mais aussi le Kumano-Kodo. Donc, on trouve plutôt au centre. Centre-sud, au sud de Osaka. Et dans le nouveau voyage que je présente ce soir, eh bien, l'île de Kyushu et de Shikoku, donc, qui sont tout au sud-ouest finalement de l'archipel. On pourrait rajouter aussi éventuellement Okinawa, mais bon, ça sera pour une prochaine édition. Si j'approfondis un petit peu plus, les pôles, donc d'abord, vous savez, je vais d'abord présenter aujourd'hui notre nouveau voyage dans la mer intérieure et Kyushu. Alors, j'ai encore mis des étoiles sur les points d'intérêt, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, là, plus en détail. Mais ça vous donne ici une idée des régions, des lieux qu'on va visiter dans notre nouvel itinéraire. Donc, on est tout au sud-ouest de l'île, finalement. Donc, si j'y vois comme ça, là, grosso modo, Osaka, Kyoto, Nara, comme lieu d'arrivée, Kyushu, Hiroshima. Île de Shikoku pour deux raisons, je présenterai, et Meiji, on revient, donc c'est vraiment une grande boucle autour de la mer intérieure. Attendez 2 secondes. Voilà. Si vous avez des questions, je vais devoir déconnecter pour les voir, mais bon, je vais faire une pause entre mes deux voyages, et puis je prendrai les questions, puis je reconnecterai ensuite. Petite anecdote sur le Japon, une présentation des gens qui ont construit le voyage et qui l'encadrent. Donc, d'abord, le Japon, la passion du Japon remonte à loin, c'est environ 20 ans, dans mon cas, où j'ai ouvert avec des collègues un restaurant au Japon. Donc, travailler là-bas, le plaisir de vraiment être en immersion totale avec la culture. Donc, si je peux remonter en fait la genèse de tout ça, c'est là, en 2003. Où on lançait le Restaurante Le Québec, qui est une fusion de la cuisine japonaise et québécoise. Je vous épargne les détails, mais en gros, ceux qui ont déjà lu le livre Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb peuvent peut-être avoir une idée de comment s'est déroulée les relations de travail dans le pays du soleil levant. Je vais peut-être utiliser quelques analogies ou quelques, si vous voulez, opposé aux dialectiques dans le voyage, dans la description ce soir, ça va être beaucoup modernité et tradition, et aussi peut-être amour et haine. Mais bon, ça j'y reviendrai. Du moins, l'intégration au Japon, si je peux résumer, quand on y travaille, elle est difficile quand on est un gaijin, un étranger. Un par contre qui s'est très bien intégré à la culture, c'est notre ami ici Camille. Donc Camille est un ami, collègue à moi et caravanier maintenant qui travaille avec nous depuis 2021, mais qui travaillait avec moi avant dans une autre agence que je ne nommerai pas, une autre agence de trekking du Québec, que j'ai parti et que ben, lui s'est fait un grand plaisir de collaborer avec nous puisque Camille a un passé suisse d'abord. Ensuite, québécois pour avoir travaillé dans les chic-chocs en ski et japonais depuis une dizaine d'années. Donc, Camille est vraiment notre homme de référence pour guidage sur le terrain là-bas. Mais maintenant, puisque la demande, bon, ça augmente, puisqu'on a plein de possibilités de trek au Japon maintenant, eh bien, un nouveau est parmi nous. Son nom, c'est Cédric. Et puis, c'est aussi un collègue suisse d'origine qui vit aussi au Japon et qui a toutes les certifications pour encadrer là-bas. Et en plus, qui intègre de plus en plus la langue japonaise. Donc, ça, c'est quand même un gros plus. C'est le même cas aussi pour Camille. Donc, ça sera vraiment vos hôtes, vos guides à destination. Dans mon cas, des fois, j'encadre des groupes ou des fois, je suis assistant selon la taille et tout. Mais moi, de mon côté, c'est beaucoup plus la logistique. Alors, voilà un peu pour le topo. Sinon, ben, Japon, j'ai un tronçon commun à ma présentation, c'est deux voyages. Donc, la mer intérieure et Kyushu d'abord, puis ensuite, on va y aller avec le trek Alpes, Kumano et Mont Fuji.
Tronçon commun, c'est l'aspect culturel ou ce qui va nous marquer culturellement au Japon ou des choses qu'on va vouloir ressortir dans l'histoire de notre, dans le récit de notre voyage. Principalement quelques enjeux sociaux, quelques enjeux environnementaux et quelques traditions, dans le cas des sumo par exemple, dans le cas de la contre-culture japonaise, dans le cas de la surpêche au Japon qui est un phénomène. Donc, comment mettre ça en perspective, comment saisir tout ça, ce sera un regard qu'on donnera sur pendant le voyage. Et ça sera bon pour les deux voyages. Les traditions, j'y reviens, mais on a vu une tradition qui est plutôt qu'on va contempler peut-être, parce que les sumo, c'est pas garanti, là. Il faut vraiment que ça tombe dans les possibilités d'horaire de combat et tout. Mais sinon, dans les traditions qu'on aura vraiment l'occasion de saisir ou de vivre, entre autres ici, la tradition du service du thé. Et à travers cela, donc 1 heure dans tout le voyage, on comprendra peut-être bien des choses, bien des protocoles qui sont propres à la culture traditionnelle japonaise. Et là, je pourrais aller un peu dans tous les horizons là, par rapport à ça. Mais je trouve que ça, la cérémonie du thé, c'est quelque chose qui nous en apprend beaucoup sur la culture japonaise. Et c'est ça des aspects qu'on va faire ressortir pendant le voyage. Je pourrais sortir aussi celle des couteaux. Pour avoir travaillé en cuisine là-bas, c'est quelque chose que j'ai dû faire quasiment quotidiennement. Donc, avec ce fameux métal Agana, qui est un métal qui demande un entretien puis un suivi quasiment quotidien pour éviter la rouille, pour s'assurer que c'est bien aiguisé, etc. Donc, encore une fois, cette tradition sous l'eau avec la pierre pour l'aiguiser, ce protocole de la culture japonaise. Eh bien, ça sera un des aspects qu'on va sortir à ce niveau-là pendant le trek. Donc, il y en a plein aussi, toute la communication, là, ça, on reviendra plus tard, mais tout ce qui est salutation, tout ce qui est langage de base en japonais, tout ça, c'est Camille et Cédric qui font un plaisir vraiment de vous mettre en immersion par rapport à ça. Au niveau des dates, donc, je prends cette photo-là des sakura, donc la floraison des cerisiers, qui a lieu quelque part en mars-avril, là, à chaque année. C'est vraiment relatif selon la température, selon le changement de saison. Mais pour dire que finalement, nous, sakura, ben, c'est peut-être une occasion de le voir en ce moment, mais on ne le fera pas, on ne le vivra pas vraiment dans nos départs d'itinéraire. Un, parce que d'abord, le trek des Alpes, Kumano, et Fuji, donc le trek un peu plus engageant, eh bien, lui, il n'est possible qu'en septembre et octobre, puisque c'est la combinaison de 3 périodes. Donc, l'humidité, la chaleur du Kumano Kodo, les Alpes très restreints, c'est bon entre la mi-juin et la fin octobre, et puis l'ascension du mont Fuji hors saison. Donc, si on combine tout ça nous donne juste 2 possibilités de départ, en septembre, début, et puis fin septembre. Donc, les sakura, ça sera pas dans la mire. Et le nouveau voyage où on vise 2 transitions de saison. Donc, le printemps, l'automne, mais le printemps de la floraison globale dans les montagnes. Donc, on n'est pas vraiment sur les cerisiers, on est sur un paquet d'autres essences. Donc, et ce sont aussi les périodes les plus calmes et les plus stables en termes de météo. Donc, pour le nouveau voyage, on va viser mai et novembre, hein, sur un principe à peu près annuel, c'est-à-dire que ça va être à peu près au début de chacun de ces mois que je viens de nommer. Départ en mai éminemment, cette année pour le nouveau circuit, mais aussi en novembre. Et ce qui est intéressant dans le départ de novembre, c'est que c'est une période qui est reconnue comme étant la plus calme, la plus douce au niveau météorologique. Donc, ça fait peut-être du bien de quitter novembre québécois pour aller vers le novembre japonais. C'est une période qu'on appelle là-bas le koyo. Le koyo, pour eux, c'est en gros, c'est le changement de feuillage, c'est le feuillage d'automne, c'est les couleurs, c'est l'été indien finalement, si on compare avec nos références à nous. Mais cette période est aussi une période d'accalmie, de stabilité, où l'air est sec, parce que c'est les froids de Sibérie qui rentrent vers le Japon, mais qui sont mélangés avec les courants chauds du Pacifique. Et on peut s'attendre à des 18-25 degrés, puis un ensoleillement quasi quotidien. Donc, on peut s'imaginer dans un rapport historique, un rapport au temps où on dépendait un peu plus de la géographie,
et les conditions que novembre devait être un repos mental. Et ça, c'est resté dans les traditions. Et on retrouve encore cet esprit-là global en novembre. Puis c'est une saison aussi qui n'est pas super touristique pour le tourisme international. Donc, vivement ce départ-là pour novembre dans ces conditions-là. Et le printemps, c'est un peu la même chose. Donc, pour le nouveau circuit. Donc, ça, c'est quand on part. Globalement, tout ça pour dire ça, finalement. Je continue avec d'autres images clichés du Japon. Les machines distributrices de boissons et tout notre rapport qu'on aura avec la nourriture, la gastronomie. Donc, notre but dans un voyage comme ça, c'est de vous faire expérimenter plein de types de restaurants, plein de types de nourriture. Ça sera principalement dans l'univers de la cuisine japonaise, évidemment, on s'en va au Japon, mais pas tout le temps, parce que des fois, il y a quand même un clash culturel, qui, bon, de mon propre avis, puisque bon, j'y ai vécu, c'était enrichissant, et puis j'adore cet univers culinaire, mais bon, quand même, la variété, des fois, c'est bon de revenir un peu à notre touche d'occidentalité, ça fait pas de mal, alors il y aura quand même un équilibre là-dedans. Puisque, dans certaines circonstances, on sera vraiment dans la fine tradition sashimi, petit kiosque de rue, qu'on aura l'occasion de découvrir comme ça dans les villes, où là, on peut vraiment faire des aventures culinaires assez exotiques, disons. Ou sinon, on ira plus vers les bistrots qu'on appelle les izakaya, izakaya qui se déclinent en plein de formes. Donc, on peut avoir des izakaya très modernes, comme ici, très post-travail, c'est très pub finalement, parce que bon, faut comprendre aussi dans la société japonaise, ces pubs-là existent dans une perspective de fin de journée de travail. Donc, il y a toute cette effervescence-là qu'on va retrouver en soirée. Donc, on veut faire des immersions de ce genre-là. Les izakaya, on peut comparer, si vous voulez, à un peu des tapas, des bars à tapas qu'on retrouve en Espagne ou ailleurs. Donc, vraiment dans ces rues-là construites tout autour des centres d'affaires. Il y a ça aussi dans des plus petites localités, comme à droite par exemple, où là on est plus dans un mélange de traditions, bistrot moderne, donc très originaux. Donc ça sera un mélange de tout ça qu'on aura. Et le, je dirais, j'allais dire le vulgaire sushi, comme ça, ben on le mangera à l'aéroport avant de quitter, mais non, tout, ou au dépanneur Lawson, mais c'est le sushi sous sa forme basique, comme ça, c'est vraiment une nourriture de va vite, là. On prend ça en transition et tout. Très bon. Mais je veux dire, c'est pas tout à fait comme nous, on peut se l'imaginer. Dans les lieux, comment j'allais dire, donc, dans les treks traditionnels, Kumano Kodo, par exemple, qui est un pèlerinage, dans les refuges de montagne, dans les Alpes, dans certaines régions de Kyushu, en refuge de montagne, encore une fois, on va être plutôt vers la cuisine traditionnelle, ancestrale. Donc, le principe du bento. Le bento, c'est un ensemble de petits plats, ou un ensemble d'aliments cuisinés qui ont un lien ou pas ensemble. Et puis là, on va picorer comme ça avec nos baguettes pour faire un tout. Donc, ça, c'est très fréquent dans notre voyage, les petites fondues, etc. Donc, ça, on s'attend, il faut s'attendre à ce que ça soit peut-être 50% des repas qu'on aura pendant le voyage. C'est super exotique. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que je mange? On va devoir faire des visites guidées quasiment à chacun de nos plats avec les guides. Mais c'est ça le gros buzz. Par contre, par expérience, par retour, etc., à un moment donné, les gens dans le passé, on en faisait plus, puis ils disaient, ça a été difficile au niveau alimentaire. Je ne suis pas capable de toujours manger du poisson, par exemple. Le matin, c'est un peu rough. Mais où sont mes toasts au beurre de peanut? Donc, voilà. Donc, il faut quand même s'adapter. Donc, on a, je pense, bien équilibré le tout. Mais attendez-vous à un choc culinaire, disons ça comme ça, dans nos deux voyages au Japon. Puis, si je finis avec peut-être la fine cuisine japonaise, eh bien, on aura aussi à certaines occasions l'opportunité de découvrir cet univers-là qui, pour y avoir un peu touché là, à ça, qui est pas juste au niveau gustatif, qualité, mais au niveau protocolaire et esthétisme. Donc, comme cette assiette où là, chaque chose est posée à son endroit, chaque chose est parfaite. Et ça, c'est dans la culture
japonaise. C'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans bien d'autres sphères de la société. Donc voilà pour l'univers culinaire, donc ça peut correspondre aux deux voyages. Premier circuit, donc je vous parle. Puis après, je vous dis, après ça, après Kyushu et mer intérieure, je vais regarder les questions. Parce que là, je ne les vois pas. Kyushu, mer intérieure, donc si on peut résumer globalement, là, c'est trois îles, on les voit ici, plus au sud-ouest. Trois activités aussi, parce qu'on veut changer un peu la rime, c'est un niveau 1 chez Caravani. Donc, rando, principalement 8 jours. SUP ou kayak, une journée. Ça, c'est dans la mer intérieure. Puis 3 jours de vélo. J'arrive en détail là-dessus. Donc, vous voyez, sinon, visite d'Hiroshima, Mont Mintsen, Miyajimiji, les îles de la mer de Seto. La mer de Seto, c'est la mer intérieure. Ça, c'est en vélo qu'on va faire ça. C'est la super. C'est le circuit qu'on appelle Shimanamashi. Ben, je reviendrai tant. Shimanam. Excusez, c'est difficile à me souvenir de tous ces noms, mais Shimanami Kaido. Donc, oui, voilà. Donc, il y a l'ensemble de ponts et d'îles que l'on va tout relier en vélo. Kyoto Nara, ça, c'est un must qu'on arrive. Le château des Meiji. Et puis, l'ambiance du pèlerinage des temples sur l'île de Shikoku. Donc, c'est vraiment les pôles. Si on voit ça tout en résumé dans une carte, finalement, ça arrive à Osaka, on va se poser plutôt à Nara. De Nara, on va visiter Kyoto parce que c'est un incontournable quand même. Ça, c'est un tronçon commun des deux voyages. On va être plutôt basé à Nara versus l'autre voyage. On est basé à Kyoto, mais on veut visiter Nara. Je vais juste inverser la chose. On va dans le vieux Osaka. Traversier de nuit. Traversier est quand même sympathique. Qui nous amène, donc qui nous évite finalement de faire trop de transport parce qu'on n'aura pas l'impression qu'on est en transport. De nuit, on va jusqu'à Beppu. Exploration du parc national d'Aso. Donc, on est vraiment basé dans un massif volcanique en refuge. On va rayonner de là. Ensuite, de ce transfert en train rapide jusqu'à Hiroshima. Hiroshima, c'est découverte culturelle plutôt, avec quand même ascension du mont Mintsen qui permet d'avoir une vue intéressante sur la mer intérieure. Aussi, les torii de je l'ai dit tantôt, là, Miyamashi. Et on se déplace vers l'île de Shikoku en vélo en traversant le parc de Seto, donc le parc national de Seto Nakai. L'île de Shikoku, qui est reconnue pour ses 88 temples, on n'en fait que quelques-uns dans la région de Takamatsu. Puis ensuite de ça, retour en passant par Himeji pour son château médiéval. Puis on finit ça à Osaka. Une belle boucle de 19 jours. Une boucle qu'on. Voilà, excusez, je m'en allais sur une idée, mais j'oublie. Donc, je passe tout de suite en image à travers la première destination qui est Nara et ses temples de type pagode. Donc, évidemment, cette architecture-là est originaire du Japon, 15e, un petit peu avant, 15e siècle. Nara remonte à pas mal plus loin dans le shintoïsme, bouddhisme japonais. Donc, c'est plusieurs sites, c'est un complexe, si vous voulez, spirituel. On va faire une visite du mieux qu'on peut. Là, j'ai piqué ça sur le web, mais bon, c'est reconnu aussi pour ses fameux chevreuils, un peu, qui traînent un peu partout sur le site de Nara. Donc, ceux qui habitent à Longueuil, là, ça sera pas trop exotique. Mais bon, ça fait quand même partie un peu d'un décor. Moi, je trouve que ça fait un clash un peu culturel, parce que bon, les chevreuils, pour moi, j'habite dans les Laurentides, sont dans ma cour. Mais là, de les voir autour de sites de temples, comme ici à Nara, ça fait toujours un peu étrange. Donc, on explore ça. Bain culturel, immersion culturelle. C'est sûr que quand on arrive au Japon, faut apprendre les codes sociaux. Donc ça sera le rôle des guides. On se donne quand même 3 jours avant d'aller dans une région un petit peu plus rurale, où là, les gens sont moins habitués de voir des étrangers. Fait que 3 jours d'immersion avant de se plonger. Ici, petit croche super sympathique dans le vieux quartier d'Osaka qu'on appelle Shinsekai. C'est un vieux quartier, on peut s'imaginer le Japon moderne des années 60, futuro, rétro-touristique, futuro-touristique, bref, il y a eu ce gros buzz-là dans Osaka, ça a été préservé, puis maintenant il y a un petit côté kitsch qui est visité, puis moi je trouve ça vraiment intéressant, c'est comme un mini voyage dans le passé versus futur, là, c'est trippant. Puis c'est de là ou pas loin, du moins qu'on prend le traversier pour se rendre à Beppu. Donc, c'est une traversée complète de la mer intérieure.
On part en soirée, puis on arrive le lendemain matin, donc on se rend compte de rien, mais c'est bon, un gros bateau, là, donc pour ceux qui ont un peu le mal de mer, c'est la mer intérieure, là, fait que c'est pas faux l'agiter. Et là, on a tous les services, buffet, onsen, petite cabine, souvent une cabine de 4 personnes, là. Mini intimité, puis bon, on traverse comme ça, donc ça nous évite justement de vivre trop de déplacements, parce que quand même, on va couvrir toute la partie ouest du Japon. Mais sachez qu'on a fait vraiment l'exercice d'essayer de couper le transport au maximum en y allant par plein d'alternatives. A priori, tous des transports en commun, comme un traversier, des trains publics, etc. Donc, on a cumulé environ 18 heures. On a calculé 18 heures de transport dans tout ce voyage-là, ce qui est quand même modeste. Voilà. Donc, ça fait qu'on n'a pas tant ce ressenti-là. Être tout le temps en transfert. On va arriver à Beppu. Beppu, c'est reconnu pour ses sources thermiques. On est sur l'île de Kyushu. La thématique des volcans est super importante sur cette île-là. C'est une île volcanique complètement, là. Donc, il y a des sources partout, des onsen naturels, etc. Quand on regarde la ville de loin, ça a l'air d'une ville industrielle, mais non, c'est toute la géothermie, les sources, etc., qui fument. Dans certaines conditions humides, là, la nuit, ça sort plus. On l'appelle aussi la ville aux 7 enfers, là, parce que bon, ces sources-là ont été qualifiées par les étrangers comme la source de l'enfer, alors que c'était des sources volcaniques qui aujourd'hui sont transformées en super bains publics qu'on appelle les onsen. Donc, il reste cette thématique-là, quand même, post-rando, là, je vous dirais, pour la détente. On se rend vers le parc national de Aso, où là, on va se poser en refuge de montagne. Donc, immersion en refuge de montagne dans le massif volcanique. Et puis, à partir de là, on aura 3 jours de randonnée en boucle. À partir du même point. Donc, pas de perspective de transport de bagages, à part un sac de jour, pas non plus de logistique de déplacement, etc. On est en. De faire défaire ces choses soir et matin, on est vraiment en boucle. Okay? Donc, c'est un niveau 1. Donc, on fait des étapes d'environ 4 à 5 heures de marche à peu près par jour, des dénivelés, oh, ça va varier, là, entre 4 et 700 mètres environ, cumulés de gains en altitude, ou de dénivelés positifs. Donc, puis c'est un immense massif, là. Donc, il y a plusieurs possibilités, mais quelques photos d'ambiance de ce massif volcanique, mais ça vous donne environ, ouais, c'est ça, je pense, une idée grosso modo de cet environnement-là. Ça reste quand même une île qui est située au sud-ouest, donc c'est un climat chaud, donc c'est pas un paysage très rocailleux, très rocheux, très haute montagne. On est presque à 2000, mais c'est très très verdoyant. Voilà, puis la plaine et les vallées sont tout autour de nous, puisque c'est un immense volcan qui domine une grande plaine. On aura différentes manifestations là, de l'activité volcanique tout autour. Et puis, je me sers des prochaines diapos pour juste exprimer un peu l'idée de la floraison par rapport aux saisons. Ce voyage-là, je le répète, est en mai et novembre. Donc, on aura des couleurs floraison printanière ou des couleurs, comme je disais tantôt, là, Koto, donc le feuillage d'automne. Mais ce n'est pas les mêmes essences d'arbres qu'au Québec. On ne va pas voir des érables qui font du sirop d'érable. C'est d'autres essences. Mais ça reste quand même que dans un contexte d'architecture japonaise, etc., ce mélange de couleurs donne tout à fait une belle perspective là, pour y voyager pendant cette période-là. Depuis Beppu, parce qu'on revient à Beppu, on va prendre un train à haute vitesse pour se rendre à Hiroshima. Hiroshima est connu évidemment pour ben, ouais, son passé, son passé à travers la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est un angle de la ville qu'on va donner un regard. Je me suis quand même permis de mettre une photo d'histoire ici. Pour nous mettre en perspective ce fameux bâtiment qui aujourd'hui est rendu le monument commémoratif de la bombe nucléaire du 6 août 1945. Là. Donc, on voit le bâtiment qui était préservé exactement comme il est resté après. Ça, c'est quand même marquant, je trouve. Là. Donc, c'est un point fort de l'histoire de l'humanité.
On va essayer de donner un regard quand même réfléchi là-dessus. Et aussi un autre regard sur son aspect urbain, parce que Hiroshima reste quand même une grande ville du Japon. Et puis, toutes sortes de petites rues, d'ambiances, de villes qui sont merveilleuses à une ambiance, bref, à découvrir. Donc, quelques photos qu'on a prises. Beaucoup de ces photos de bonne qualité, comme ceci, sont prises par mon collègue Alexandre Choquette, donc, qui est aussi, qui était photographe pro. Donc, j'aime bien son regard. Lui, beaucoup plus dans les, moi, je suis beaucoup dans les paysages. Lui, beaucoup plus dans l'environnement urbain et les gens. Donc, on fait une bonne paire pour ça. J'adore ces petites rues de grandes villes japonaises où là, on trouve toutes ces izakayas, petits restos, petites boutiques, etc. C'est génial. Il y a de la stimulation partout, 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 en tout cas. Un autre regard, c'est super hallucinant sur un bloc d'appartement coloré là-bas, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment fort en contraste. Ce pays-là. Un petit peu plus loin, donc les torii de Miyajima, donc autour de la région d'Hiroshima, donc c'est un autre lieu important, l'univers shintoïste, toutes les shrines, les sites qui tournent autour de l'univers bouddhiste, donc ça fera partie aussi des visites qu'on vous proposera autour de Hiroshima. On enchaîne avec le fameux que j'ai eu de la misère à prononcer tout à l'heure, là, la voix de Shimanami Kaido. Donc, je vous invite à googler ça. Eh bien, ça, c'est quoi? C'est le parc national de Seto, finalement. C'est sur la mer, une archipel d'îles, finalement, qui est sur la mer intérieure. On va les relier par un ensemble de ponts et de passerelles et de pistes cyclables. Donc, c'est 3 jours de vélo, 2 nuits. Et c'est certainement un des plus beaux circuits cyclables au monde, en toute humilité, j'ose dire ça. Donc, un petit historique, à l'époque, moi et Camille, on organisait certaines portions d'un circuit pour Vélo Québec, donc d'où l'aspect vélo. Et puis, on s'est dit, plus tard, il faut absolument mettre ça dans un voyage de trek, même si on n'est pas nécessairement des cyclistes. Ça reste que c'est du vélo urbain qu'on va prendre, là. Et il faut absolument vivre ça, c'est juste hallucinant. Puis c'est une autre façon de voir la mer intérieure. On va l'avoir vu à travers le traversier, un peu parce qu'une partie de nuit. On va l'avoir vu, on va le voir éventuellement en kayak ou stand-up paddle, si vous voulez, mais surtout en vélo aussi. Puis avec le mont Minsen aussi qui va nous permettre d'avoir une certaine perspective. Donc là, je retourne sur ma voie cyclable. C'est gros à l'être. Là, vous voyez, c'est des photos qui datent de l'époque de Vélo Québec, là, mais c'est pas tout à fait ce genre de cyclisme-là qu'on va faire. On va être plutôt en mode urbain. Mais pas grand, pas des grosses distances par jour. Le but, c'est pas de faire du vélo. Le but, c'est de faire cet itinéraire-là cyclable. C'est la petite nuance. Okay? C'est juste hallucinant. Donc, voilà. Donc, ce circuit de vélo qui dure 3 jours et qui va nous relier entre finalement l'île de Honshu et l'île de Shikoku. Donc, c'est un transit, si vous voulez. Depuis Shikoku, ensuite, on aura une expérience aussi en paddle ou en kayak pour voir cet archipel-là qui est hallucinant du parc national de Seto. Puis ensuite de ça, on traverse l'île finalement vers l'est. Puis on s'en va dans l'univers du grand trek des pèlerinages. En fait, c'est le pèlerinage des 88 temples. On peut le résumer à ce nom-là, sur l'île de Shikoku. Donc, 88 temples, là, ça serait un peu too much pour notre programme, mais on s'est concentré sur quelques-uns autour de Takamatsu. Donc, on va se poser à Takamatsu, puis on va rayonner en rando sur les pistes de ce pèlerinage-là. Donc, on voit que le pèlerinage, en fait, il passe par partout. Hein. Il passe par des petits villages, il passe par la nature complète, toujours bien identifié par ce symbole. Et il nous fait passer par certains temples qui, nous, on a jugé qu'ils valaient la peine. Donc, on est vraiment dans un environnement vallonneux, collineux, c'est pas vraiment de la montagne, mais très, 2 fois très naturel, très chaud aussi. On est dans une île au sud, là, du Japon. Donc, même auprès de mai-novembre, ça risque encore d'être dans les fins vingtaines de degrés Celsius. Donc, pèlerinage de 3 jours sur ce circuit-là.
Depuis Takamatsu, on va prendre un traversier, puis revenir sur les Honshu. On est vers la fin du voyage. On va faire une petite pause, un arrêt, si vous voulez, d'une grande demi-journée, sur l'île de Naoshima. J'ai mis cette photo-là parce que Naoshima est réputée pour sa force, si vous voulez, ou sa créativité artistique, et pour son architecture avant-gardiste. Donc, c'est comme finalement un oasis de création. Et il y a des manifestations artistiques ou architecturales partout sur l'île. C'est juste malade, dont ça. Fait que, tu sais, la culture japonaise peut être très, si vous voulez, différente, très. Je cherche les bons mots, là. Pogné. mais très, très, comment on veut dire. Homogène, mais parce que toute société a besoin de soupapes, de contre-culture et autres, des fois émergent des choses merveilleuses, comme sur l'île de Naoshima. Donc, on y fera un aparté pendant le voyage avant de regagner finalement la ligne de train à haute vitesse qui nous ramène à Osaka. Et là, on fera une pause à Himeji pour voir un de ces châteaux médiévaux. Donc, il en reste trois châteaux de cette ère Meiji. Donc, on parle de 1600, début 1600 jusqu'à 1868 à peu près, là. Ou un petit peu plus, certains vont pouvoir contester mes dates. Bref, l'ère Meiji et des donjons comme ça, dojo, pardon, qui restent à Meiji. On en voit un dans ce circuit-là, donc mer intérieure et Kyushu. On aura l'occasion aussi d'en voir un autre dans le Trek Alpes-Kumano et Fuji. Puisqu'à Matsumoto, il y a aussi un château de ce type. Donc voilà, ça termine vraiment le voyage. Himeji, on regagne Osaka, nuitée, et on termine officiellement l'itinéraire qu'on a proposé. Et donc, en priori, c'est un vol aller-retour sur Osaka, mais évidemment, il y aura des prolongations possibles parce que dans cet itinéraire-là, on n'aura pas vu Tokyo. Donc, c'est un choix éditorial là, de se concentrer sur un coin géographique. Mais rendu là, après, selon nous, 19 jours sur place, on considère que vous allez être armé socialement, culturellement, pour vous déplacer à Tokyo et faire une visite par vous-même de Tokyo. On propose une réservation d'hôtel, peut-être même le train pour vous y déplacer, avec les transports navettes pour revenir à l'aéroport. Donc, juste la logistique de base. Puis après ça, des cues, des informations que le guide à destination va pouvoir vous donner sur Tokyo. Puis après ça, vous êtes autonome de le composer comme vous voulez. Vous pouvez prendre l'extension tant que vous voulez aussi. Donc ça, c'est une possibilité. Ou si vous voulez arriver plus tôt à Kyoto, même chose, on peut moduler la recherche de vol avec ça. Le vol on propose toujours des vols à part, mais si vous le prenez ou pas, selon votre aisance à trouver des vols. Mais il va y avoir des blocs de temps à respecter pour l'accueil et pour la fin du voyage. Donc, tu sais, on se dit toujours, les gens vont voyager peut-être une seule fois au Japon, donc on s'y vient pas de, tu sais, faire à moitié. Joanne, la qualité des vélos, j'y reviens. Donc, on ne veut pas faire un voyage à moitié, on veut faire juste comme un regard. Là, c'est un regard sur le sud-ouest de l'île, mais ça reste que Osaka, Kyoto, Tokyo. Ben, on va quand même le rendre possible. Voilà. La qualité des vélos. La qualité des vélos au Japon, il y a plein de types de vélos, là, mais non, on a des très, très bons locataires. Donc, évidemment, pour le type de vélo qu'on fera, qui n'est pas nécessairement performance, très bon vélo urbain, là. Ce n'est pas des vélos, je m'excuse pour les gens de Chine, là, mais je veux dire, ça n'a pas le vélo chinois, japonais, là. Qu'on peut enrayer facilement puis qui ressemble à un Bixi. Donc, c'est des vélos urbains très corrects. Donc, il y a plein de locataires, il y a plein de possibilités, mais nous, on a ciblé quelque chose qui est vraiment intéressant pour être moi-même cycliste. Là. Je sais que je ne vais pas sacrer mon vélo si j'ai juste 3 jours de vélo. Voilà. donc, par rapport à ça, c'est ça. Puis voilà, donc grosso modo, ça fait le tour de ce premier circuit-là. Je vous invite à poser des questions dans la section QR. Je réfléchis si j'ai d'autres choses à dire sur ce nouveau circuit, sauf que bon, on a une première date le 11 mai
qui est sur le point de se confirmer. Puis on vient d'ajouter aussi un départ en novembre. Donc c'est assez récent dans l'histoire de Caravani d'avoir ajouté ce circuit-là. L'idée, c'est qu'on voulait aussi rendre un voyage au Japon plus accessible que le second que je vais vous présenter en ce moment. Donc en termes de niveau, il est qualifié de niveau 1 dans notre échelle à nous sur 5. Donc, que ça veut dire un niveau 1? Ça veut dire des journées, ça, 4 à 5 heures de marche par jour. Entre 400 et 700 mètres de dénivelé, des fois ça peut être moins, ou une petite affaire plus, un petit peu plus. Donc c'est ça, donc ça c'est à peu près le niveau. L'hébergement par contre c'est un petit peu, c'est supérieur au voyage que je vais vous proposer parce que dans le Kyushu et mer intérieure, on parle vraiment d'un voyage Dolce Vita, donc c'est hébergement justement souvent le plus. Très souvent en occupation double, dans une variété d'hébergements. Donc, on parle de Minshuku, Ryokan, ça peut être des boutiques hôtels, lodge de montagne, donc pas lodge, mais refuge de montagne. Donc là, ça va être comment dire, une occupation beaucoup plus variée qu'une occupation double. Et puis c'est à peu près ça pour cette traite-là. Pour celui que je vais pouvoir parler, là, le Alpes, Kumano et Fuji, là on est plutôt sur beaucoup de refuges de montagne, évidemment. Beaucoup sur c'est des Minshuku, donc c'est des auberges, si vous voulez, ruraux, qui sont plus basiques, mais très corrects, toujours en occupation double. En ville, on va toujours pousser pour les boutiques hôtels boutiques, parce qu'on veut un petit peu plus de compensation de niveau. Et puis voilà, donc c'est dans cet ordre-là, mais il n'y a pas de camping dans nos. On est en Ryokan et j'ai des photos plus tard de ça, là, mais on est futon au sol, oui. Donc on est dans Ryokan et Minshuku, mais c'est des futons avec des bons matelas, bonne couverture, et quand même très confortable et surtout très exotique pour les lieux, là. C'est très esthétique, si je peux vous dire. On me demande la moyenne d'âge des voyageurs. Ben, chez Caravani, généralement, c'est entre 45 et 60. Pour le Japon, c'est un petit peu plus âgé. C'est peut-être entre 50 et 65. Un petit peu plus, ça dépend. Il n'y a pas d'exclusion d'âge, by the way. Faut vraiment, on prend les appels, nous, on parle à tous nos voyageurs, qu'on s'assure que vous êtes, que ce voyage-là est. Et pour vous. Donc, des fois, j'ai des plus âgés. Puis, ben, t'as 70 ans, ok, mais t'es actif, parfait. T'es habitué à la randonnée, good. T'sais. Moi, je commence à vieillir aussi, là, puis je me dis, j'ai encore je sais pas moi, la capacité, pas la capacité, mais j'ai encore les réactions mentales d'un gars de 25 ans. Je me dis que quand je vais avoir 70, je vais peut-être avoir la tête d'un gars de 40, tu sais, fait que c'est dans la tête que ça se passe. C'est un voyage de groupe. On veut que ça soit cool. Puis c'est vraiment ça que nous, on s'assure aussi à travers le fait qu'on encadre nos voyages. C'est qu'on crée une expérience de groupe. On crée une expérience de voyage. On crée des cohésions. Fait que, vraiment. Mais oui, on peut remarquer, globalement, que au Japon, c'est une petite affaire plus âgée que la moyenne de nos voyageurs ailleurs. Tout au trésor. Voilà. Donc, je laisse ma boîte questions ouvertes. Vous pouvez toujours me lancer comme ça. J'ai assez des voir durant. Mais sinon, je continue avec le second voyage qui se nomme. Je l'ai passé là, mais en fait, c'est le nom des trois régions de trek qu'on fait. Donc, Kumano, Alpes, Fuji. C'est notre voyage de randonnée qu'on fait depuis des années. Je l'ai fait moi. À travers une autre agence, comme je vous ai dit, pendant bien des années. Alors maintenant, chez Caravani, ça sera la quatrième édition cette année. Et puis, on peut résumer ainsi. Donc, trois grandes régions, je les ai nommées. Deux grandes villes en opposition, Kyoto, Tokyo. Donc, il y aura un petit peu plus de temps alloué à Tokyo. Bon, en fait, il va y avoir du temps alloué à Tokyo dans ce voyage-là. Et on va donner un regard plutôt, ça fait un peu Saint-Hubert barbecue, là, mais bon. Traditionnel à Kyoto et moderne ou crémeux à Tokyo. Donc voilà, cette opposition-là culturelle du Japon, elle est palpable
partout. On pourrait donner un regard moderne sur Tokyo, sur Kyoto aussi, ou plutôt ancien sur Tokyo, mais on va plutôt y aller avec leur connotation historique, puisque Kyoto a été la capitale spirituelle pendant longtemps au Japon, et puis Edo, où Tokyo a été la capitale plutôt commerciale et maintenant la capitale officielle du pays. Donc, on garde un peu leur vocation initiale. Dans une carte, ça se résume à ça. Donc, on est, je ne vais pas tout vous renumérer là, mais vous voyez un peu là. Donc, c'est assez fluide. Donc, on arrive à Osaka, on se déplace à Kyoto, 3 nuits. Ensuite, on bouge vers Kumano-Kodo, c'est un trek de 3 jours. On va enchaîner ensuite jusqu'à Obu, la préfecture de Mie, où là, on va à Ise, sur le bord de la mer. Et puis, à Ise, eh bien, on fait une exploration culturelle vraiment cool. Et puis, c'est aussi le lieu où les bateaux de l'empereur partaient en direction d'Edo, Tokyo. Donc, il y avait une partie qui était un pèlerinage terrestre, puis ensuite un pèlerinage, si vous voulez, par la mer. Donc voilà. Madame Isabelle, je vais vous répondre à la fin pour cette question-là. C'est un petit peu complexe. Donc voilà. Donc ici, ensuite de ça, long transfert vers Matsumoto et Takayama. On fait un arrêt à Nagoya, qui est une des grandes métropoles du pays. Trek dans les Alpes japonaises en itinérance. Et ensuite, déplacement à Fuji pour une ascension. Puis on finit ça à Tokyo. Donc, quand je vous ai dit Kyoto, on pose un regard traditionnel. Donc, on va vraiment être dans les quartiers anciens, dans l'univers, si vous voulez, du divertissement, des geishas. On va apprendre littéralement c'est quoi une geisha traditionnellement, comment toutes ces traditions-là du divertissement se faisaient, voir toutes les nuances de ça. Donc, c'est quand même super intéressant. Beaucoup de vieux et beaux quartiers de Kyoto. C'est une ville qui est aussi bien irriguée par des canaux. Donc, la circulation à vélo, si vous voulez, elle est très simple et facile. Donc, la personne tantôt qui posait la question, là, Joanne, je pense, sur les vélos qu'on va avoir pour la mer intérieure, eh bien, ça ne sera pas ces vélos-là. Donc, ça, c'est les vélos chinois, super urbains, là. Mais tantôt, je l'ai dit urbain aussi, mais ça, c'est vraiment urbain. C'est basique, c'est fait pour rouler pas vite, puis on se promène comme ça, on peut les barrer n'importe où, pas de souci. Mais j'aime ça on découvre et on visite les villes de manière active. Parce qu'une des choses et particularités de nos 2 voyages, c'est qu'on a misé sur le transport en commun quasi en tout temps. Donc, un, ça réduit énormément les coûts. Deux, je vous dirais que ça ajoute ou force une rencontre culturelle, puisque vraiment, on est un peu comme dans le transport, si vous voulez, quotidien des Japonais. Puis trois, ben, je ne sais pas s'il y a un trois, mais bref, c'est pas important. Mais c'est un peu ça, l'idée. Okay? Donc, fait que ça, à Kyoto, on le fait. Et c'est vraiment une expérience que les gens aiment bien. On continue dans l'exploration trad, mais on va y aller plus tôt. Ma photo de geisha est un petit peu décalée, mais c'est sur des grands temples importants. Qu'on a soit à Kyoto même ou dans les environs, ici comme à Hirashiyama, forêt de bambou, le temple d'or, ça c'est des environnements qu'on va découvrir plus particulièrement dans ce voyage-ci, mais comme je vous ai dit, on a une visite de Kyoto aussi prévue dans l'autre circuit, donc ces grands classiques ne seront pas oubliés. On continue le premier trek, si vous voulez, depuis Kyoto, ça va être le seul transfert dans les 2 voyages qu'on fait en transport privé parce que c'est mal desservi. On se rend à Koyasan. Koyasan, c'est le berceau spirituel du Japon. C'est le berceau aussi du bouddhisme shintoïste. Donc, on y fait une immersion dans cet univers-là en dormant dans un temple. Donc ça va être certainement une des expériences les plus dépaysantes en termes de dodo. Donc Koyasan, on n'y va pas dans l'autre circuit, by the way. C'est là peut-être des différences, c'est que là, il y a vraiment une immersion particulière dans le Kumano pour ça. Donc, attendez 2 secondes, je claire mes questions. Je me garde ça, je me garde ça. Parfait.
Donc, j'arrivais avec cette photo. Donc, ça, c'est à l'entrée des temples, les sandales traditionnelles, toutes les codes, les planchers non cloués, le bruit, le craquement, tout ça, c'est superbe. Donc, vraiment, Kokoyasan, des cérémonies tôt le matin. On appelle un peu dans l'esprit des pujas pour ceux qui ont été au Népal. On est vraiment là-dedans. Et puis, l'idée même du Kumano Kodo, c'est un pèlerinage shintoïste que l'empereur faisait, où on reliait historiquement trois grands temples. On va faire la même chose, nous, de notre côté, en version un petit peu accélérée. Donc, on se met vraiment dans cette ambiance-là. Le Kumano Kodo, c'est dans une région tout au sud, certainement presque la plus au sud, avec Kyushu. Donc, c'est des mono espèces de forêts, comment dire, où il y a un type de forêt, là, j'ai oublié le nom, mais bref. Mono-espèce, mono-essence, cyprès, des fois cèdre, okay, mais c'est des fois des forêts qui donnent des ambiances vraiment uniques, avec tout l'aspect, si vous voulez, humidité de l'île. On fait un départ en septembre, octobre, au Japon pendant l'été, c'est super humide, donc c'est très très présent encore dans le Kumano au moment qu'on fait notre trek. On peut le voir même avec l'habit, la façon que les gens sont habillés, serviettes au cou, camisole, etc. On peut s'attendre à des journées à 28-30 degrés avec 95% d'humidité. Mais c'est une particularité de ça, c'est des anciens, c'est des vieilles pierres. Chez Carabagnon, on avait cette division-là, là. Sentier et vieilles pierres, là. Donc c'est un ancien sentier historique où tout au long, il y a des tea houses, des vieux hébergements, des vieilles auberges. Des vieilles marches de pierre, etc. Et c'est tout au long de ça qu'on va relier trois temples. Je vous dis un peu artificiellement, mais ça reste quand même l'esprit de ça. Et passer à travers des petits villages et la ruralité japonaise du sud avec toute sa culture du riz, etc. On est quasiment dans une ambiance d'Asie du Sud-Est à ce moment-là. Les départs matinaux qu'on fait parce qu'à cause de la chaleur. Donc, il y a cette espèce de fog, là, de brouillard matinal où on passe quasiment en froid, puis tout au long, après ça de la journée, ça se réchauffe vite. Donc, ces ambiances-là, c'est très particulier de cette région, puis c'est une des forces, je trouve. Voilà. Donc, on aime mettre des couleurs à des moments, là, d'un voyage. Et bien, là, je vous dirais blanc et vert. Couleur pierre. Bref, on aboutit tout ça à Naya. Ah, merde, j'ai oublié le nom. Il faut regarder sur l'itinéraire, mais la pagode, j'ai un blanc de mémoire. Bref. Je me garde quelques secrets, mais bon, on aboutit à ce fameux temple, qui est la fin officielle du trek du Kumano Kodo. Ça reste en soi un moment fort parce que pour bien des pèlerins, c'est quelque chose qui est célébré, qui est vénéré. Donc, on va pouvoir un peu baigner là-dedans. Et puis, après ça, comme je vous disais, on va continuer vers la péninsule d'Issé. Avant d'explorer tout ça, petit clin d'œil sur l'hébergement. Donc, c'est valable aussi pour l'autre trek. Donc, principalement, à part peut-être cette ambiance-ci en particulier, puisque ça, c'est la nuitée en temple. Là, c'est certainement le plus traditionnel qu'on aura pendant le voyage. Où là, on a vraiment le serveur ou le serveur, la serveuse, le maître de service, si vous voulez, qui est en bout de salle, et les convives, qui sont obligés d'être agenouillés, sans présenter la paume de pied, et de respecter tous les codes, et manger un bento super classique, trad, comme on peut le voir sur les petites tables. Donc ça paraît au départ très wow, exotique, etc. Mais si on fait ça plusieurs fois, comme c'est le cas des fois, pas tout à fait dans ce décorum-là, ben ça devient un peu fatigant, les gens avec les genoux pliés, tout ça, assis par terre, ça devient un enjeu. Donc, si on peut dire dans les niveaux de difficulté, c'est peut-être un facteur à considérer. Mais on va vraiment bien préparer le monde à ça, trouver des alternatives aussi pendant que ça se passe. Fait qu'un peu dans l'ambiance du temple, etc. Sinon, ben, les ryokans, donc les ryokans, ce que je me disais, dodo, futon, etc., ben, ça peut ressembler à ça, une chambre. Donc, une chambre qui est en mode thé ou en mode simplement avant le dodo, et bien là, on a la table basse qui est mise, les chaises basses, mais avec dossier pour le thé ou pour justement vivre, interagir. Et quand vient l'heure du dodo, donc de la nuit, c'est souvent pendant le moment où on va
manger, ben, ils vont transformer toutes les chambres en mode nuitée. Donc là, futon au sol, édredon, etc. Les centres de ces ryokans-là sont souvent dans des jardins. C'est très zen, c'est posé. On se croirait dans un spa détente santé. Donc, ça, c'est les ryokans. Les minchukus, ça va être un peu la même chose, comme ici, mais version un petit peu plus simpliste. Simple. Okay? Donc, voici un minchuku, mais ça reste que même chose. Table base, bento pour les repas, tout le monde ensemble pour ces repas qui sont pris dans les hébergements. Puis, on voit du monde avec... c'est pas des kimonos, là, mais bon, c'est pour les bains. Des fois, il y a aussi des bains qui sont jumelés à ces hébergements-là. Donc, on s'est détendu après une journée de trek, etc. Donc, ça, c'est très typique plutôt de la région du Kumano-Kodo, mais on va l'avoir aussi sur les autres destinations. Donc, on fait un beau mélange de tout ça. Les bains, donc, c'est quelque chose que je parlais il y a 2 secondes. Ben, c'est ça. Le onsen, de fond, on dit souvent, que les cultures de ce monde se sont inspirées de la nature, et ben les macaques japonais prennent leur bain dans les sources thermiques depuis qu'ils sont sur Terre. Donc les Japonais se seraient peut-être inspirés de ça. Et ce qui est drôle, c'est que quand on les voit animés, là, les macaques, ils ont à peu près les mêmes poses, les mêmes regards, les mêmes visages que nous, les hommes. C'est là qu'on voit que le lien est assez proche. Les onsen, c'est une particularité du Japon. On retrouve ça, il y a toutes sortes de bains, la culture du bain un peu partout dans le monde. L'onsen, c'est vraiment très codé, très, comment dire, important au Japon. C'est a priori complètement nu qu'on se fait, hommes, femmes séparés, souvent dans des contextes quasi-nature, ou du moins bâtiments ouverts sur la nature. Et ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment bien vous apprendre à destination pour comment ne pas être trop un touriste dans un onsen. Bref, expérience à vivre, absolument. Voilà, sinon on continue notre route, on monte vers le nord, on s'en va vers Ise. Donc ici, c'est le lieu de départ, le bateau finalement, de l'empereur partait vers Edo. On trouve ce rocher, le rocher de l'amour, le rocher de l'amitié, où là, c'est relié, hein, femme et homme, est relié à jamais. Donc ça, c'est puissant comme symbole qu'on trouve là-bas. Et dans le même lieu, on va aller faire une vieille photo, mais bon, j'ai pas voulu mettre des photos plus récentes de ça, mais il y a un rite, une tradition qui est ancestrale au Japon, qui s'appelle les pêcheuses de perles, qu'on retrouve dans cette région-là du monde, de l'île. Et puis, on a l'opportunité de faire une expérience d'immersion avec eux. J'en dis pas plus, mais ça fait partie un peu de nos... Tu sais, on essaie de faire ça au Japon, de faire des activités ou des rencontres actives, si vous voulez, pour vivre des réalités culturelles. Donc, ici, pêche, perle, avec les pêcheuses. Donc, ça se passe, et c'est reconnu patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Donc, super important. Je reviens un petit clin d'œil sur le train, là, mais c'est ça parce que pour vous dire que des fois, les déplacements sont plus rapides et qui sont principalement en transport en commun. Donc, le Shinkansen, un des trains les plus rapides au monde, permettra de relier certaines régions du Japon dans les 2 circuits. Super important. On se rend à Matsumoto. Donc, Matsumoto, j'en ai parlé tout à l'heure, une des villes où il y a un château médiéval. Donc, ça, c'est quand même une très belle ville qui se fait tout à pied. C'est un très beau camp de base au pied des Alpes japonaises. Donc, on va relier, si vous voulez, géographiquement, Matsumoto à Takayama. C'est une espèce de transition entre les deux pour faire cette espèce de mini-traverse des Alpes. On va relier, donc dans les Alpes, le paysage ressemble à ça. Donc les Alpes japonaises, pas pour rien que ça porte ce nom-là. Les premiers étrangers qui ont visité l'île, qui ont découvert le cœur de l'île, ont revu peut-être une certaine proximité géographique avec les Alpes d'Europe. Donc c'est une chaîne de montagnes qui est quand même prédominante dans le Japon, qui va culminer à 3160 mètres à peu près avec le Yarigadake.
Et puis, ben, nous, le but de ça, c'est faire 4 jours en itinérance de refuge en refuge sur des crêtes. Donc, on va être principalement sur des crêtes de montagne. Il faut d'abord s'y rendre. Ensuite de ça, on marche tout au long. Et puis, ça sera dans un paysage très aérien où on va faire notre trek principal dans les... Merci France, quelqu'un qui quitte. Parfait, sachez que tout le monde aura un lien pour une version enregistrée si vous avez peur de manquer des informations. Voilà. Donc, voilà. Donc, on est sur vraiment trek sur les crêtes. On va relier plusieurs sommets. Mais sachez qu'un de nos objectifs, c'est un objectif géographique important, c'est le Yarigatake. Donc, le Yarigatake, on le voit un peu à gauche complètement de cette photo. Une autre photo un petit peu prise d'un autre angle, on le voit ici. Donc, c'est le point culminant des Alpes. On va pas y aller, on va pas tant aller là parce que c'est le point culminant, plutôt que c'est parce que c'est une montagne qui est vénérée, qui est importante pour les Japonais. La culture du trek et de la marche au Japon est vraiment super importante. Il y a vraiment énormément de randonneurs en saison partout au Japon, même si à l'étranger, je vous dirais même que c'est des grands alpinistes et tout, des grands randonneurs, des grands marcheurs. Donc, tout ça, là, les montagnes, c'est super important. Donc, d'où tout ce développement de réseau de refuges en montagne qu'on trouve un peu partout. Et puis, le Yarigatake, ben, puisqu'il y a toujours un côté traditionnel dans la culture japonaise, il y a toujours un côté spirituel, et ben, le Yarigatake est vénéré, puis surtout désiré de l'atteindre, de faire son ascension. Il y a quelque chose de fort, symbolique là-dedans. Donc, c'est un peu ce qu'on va faire, nous aussi. Donc, voilà. Donc, on marche tout au long dans un paysage comme ça, pour avoir peut-être une référence. Les gens se demandent à quoi ça ressemble le type de terrain, etc. On peut quasiment projeter la crête du Mont Lafayette là, dans les White Mountains avec Flume, avec Haystack, avec Lincoln, tout ça, là, jusqu'à Garfield peut-être, ou je pense. Bref, ce genre d'environnement-là, mais imaginez 1000 mètres de plus. T'sais. Fait que un petit peu plus aride, rocheux, etc. C'est un terrain quand même des fois complexe, t'sais. Beaucoup de caillasses, etc. Mais c'est ça. C'est ça sans ambiguïté. C'est ça pendant tout le long. Donc c'est merveilleux parce que c'est très aérien. Par contre, c'est exposé, évidemment. Donc ça, c'est peut-être une des difficultés aussi. C'est-à-dire que s'il fait mauvais, tu es exposé. Donc c'est pour ça que c'est un niveau 2 plus, là, ce voyage-là, par l'itinérance, le portage qu'on doit faire pendant cette portion-là, puisqu'on aura à être autonome avec le sac à dos. Donc, on dit sac à dos de 40 litres, 45 litres, mais il faut être autonome 4 jours. Après ça, il y aura d'autres sections en day hike, mais 4 jours, où là, minimum de stock de rechange, petite trousse d'hygiène, drap d'auberge pour les refuges, mais sinon, tout le reste est fourni. Donc, c'est quand même pas si mal. On évalue environ 8 kilos le poids du sac pour cette portion-là du trek. Voilà en image. Donc on est pas mal sur finalement les vallées, donc, parce qu'on va relier deux crêtes en passant par une vallée et en se dirigeant tranquillement vers le Yari, donc on voit là-bas, Yarigatake, où là on a la chance de dormir tout au pied de ça, de cette montagne-là, donc de le voir sous ses angles. Et sachez que le Yarigatake, ben, c'est 3160 mètres, je l'ai dit tantôt, mais sa portion finale, la dernière heure et demie, est quand même vertigineuse. Donc, il y a des chaînes, il y a des sécurités mises, mais ah, si on, moi, vraiment, on a un peu de vertige, je vous conseillerais de pas trop l'essayer. En tout cas, du moins, ça peut être décidé jusqu'à le matin même, là. Mais sachez que c'est quand même engageant. Donc, pour ceux qui ne le font pas, on propose une petite alternative à partir du refuge tranquille. De toute façon, ceux qui vont faire le Yari vont partir tôt. Donc, pas de souci par rapport à ça. On veut vraiment pas discriminer personne. Puis, c'est pas tout à fait le Yari ici, la photo, mais bref, ça donne une ambiance des Alpes quand même. Donc, voilà pour cette immersion-là. Et ensuite de ça, on redescend dans la vallée vers Kamikochi pour revenir tranquillement vers la civilisation. Donc, ça, c'est nos gueules après. À l'époque, on faisait 6 jours d'itinérance. C'est plutôt 4. Mais ça reste qu'on reste 6 jours en tout dans le massif, fait que c'est quand même
quand même un trait considérable, d'où le niveau. Kamikochi ici. Et petit clin d'œil sur la vie de refuge. Donc, on dit souvent la vie de refuge au Japon, c'est comme étant un décalage horaire de 2 heures. Tout commence 2 heures plus tôt. On va déjeuner à 5h30, on va manger à 5h30 du soir. Alors, ça, c'est peut-être le mode de vie de certains qui nous écoutent en ce moment, mais bon, c'est la vie de montagne, c'est bien ponctué, c'est bien codé aussi, c'est repas commun, c'est des grandes tablées, c'est quand même très convivial, donc on va faire une immersion, si vous voulez, aussi pendant ce séjour-là en montagne. Comme je vous dis, il y a principalement des randonneurs japonais qui seront sur ces sentiers-là. Les refuges, le dodo est très varié, mais on peut s'attendre à ce genre de multi-cases dortoirs. Ça peut avoir l'air aussi d'un immense dortoir comme ça. Très relatif, on est vraiment un refuge de montagne. Mais sachez que dans le code japonais, c'est la déférence, la capacité ou la propension à respecter les règles est très forte. Donc, à 9h, il n'y a plus un son à part les ronflements dans les refuges. Donc, on dort bien, finalement, si vous avez des bouchons. Et donc, ça, c'est fou, là. Fait que, tu sais, entre 9h et 5h du matin, rien qui se passe parce que c'est ça, les règles. Et puis, tant mieux, tu sais. Fait que vraiment, immersion dans les refuges, belle expérience en soi. 6 jours dans les Alpes, on descend. Matsumoto, bon, je n'avais pas monté tout à l'heure, mais voici le fameux château de l'ère Meiji. Donc, château médiéval au Japon qu'on aura l'occasion de visiter avant de quitter pour le Fuji. Donc, Fuji, c'est le point culminant de l'île. C'est quand même un incontournable selon nous. Donc, puisque, bon, pour X raisons dans ma vie, j'ai eu l'occasion de le faire assez souvent, l'ascension, eh bien, j'en propose là. Encore une fois, optionnel, mais on encourage pas mal tout le monde à le faire parce que vous pouvez être surpris à quel point c'est quand même accessible. 3776 mètres. On va le faire hors saison. Qu'est-ce que ça veut dire hors saison? C'est pour ça aussi que notre choix de date est quand même précis. C'est-à-dire que pendant la saison touristique, c'est, je pense, quelque chose comme de mai à la mi-septembre, on peut avoir 2, 3, 4 000 randonneurs pendant la nuit. Donc, on peut avoir plein de pèlerins qui font ça. Donc, c'est quand même toute une autre ambiance. Et au Japon, parce que oui, c'est différent comme culture, ben si la saison finit le 15 septembre, soyez sûr que le 16, il n'y a presque plus personne. Mais les conditions sont encore bien parfaites. C'est pas interdit de le faire, c'est juste que les cabanes, les refuges d'altitude sont fermés, que la plupart des services sont fermés. Mais nous, on va juste profiter de ça. On fait ouvrir un refuge. Du moins, des fois, il reste même ouvert par M. Sato qu'on voit ici. Donc, j'ai eu l'occasion, dans plusieurs époques de ma vie, d'aller chez Sato. Sato, c'est un montagnard. C'est un tripeux. Il y a un refuge de montagne super typique. Et c'est là qu'on va pour nos dodos. Donc, on ouvre ce super refuge-là. Parce que si c'est fermé en saison, souvent les refuges sont fermés. Donc, on le fait ouvrir. Et là, nous, notre but, c'est de monter le Fuji comme ça se faisait à peu près à l'époque. Donc, en prenant la route des pèlerins, il y en a plusieurs, là, plusieurs côtés, puis en faisant les 10 stations. On ne fait pas tout à fait 10 stations parce qu'on part un petit peu plus haut. Mais on va monter quelques heures de marche, dormir chez Sato à 2500 mètres. Puis ensuite, le lendemain, dans la nuit, on va se réveiller peut-être à 3h30, partir à 4h, 4h30 pour faire l'ascension. Et en cours de route, contempler le lever du soleil. Bon, c'est pas une photo du lever du soleil, là, mais bon, ça me donne une idée. Donc, c'est un peu cet esprit-là. On ne veut pas nécessairement arriver sur le top pour voir le lever du soleil. Ce serait trop contraignant en train de dodo, puis peut-être ça nous fatiguerait pour la suite. C'est pas absolument nécessaire de faire cette espèce de protocole-là, de cérémonie, là. Mais de le faire dans les pentes du Japon, de prendre un moment, contempler le lever du soleil, ça reste quand même le pays du soleil levant et certainement le point le plus fort symboliquement pour vivre ce moment-là. Et on va arriver sur le sommet. Donc, c'est environ... Sérieux, il y a des groupes où ça a pris 4-5 heures à faire l'ascension depuis la cabane à Sato. On peut dire 6 heures globalement. Et puis, selon les rites, des fois, on est deux guides rendus là pour l'encadrement, ben, on va proposer peut-être un tour du cratère sommital
pour ensuite tout se regrouper ensemble. Ouais, cette photo de groupe. Donc, plusieurs époques. Donc, ça a été fait. Donc, voilà, c'est un peu le principe. Et après ça, on redescend par une autre voie qui va nous connecter à une route pour revenir rapidement vers la mégalopole qu'est Tokyo. Je fais une petite pause, là. Parce que c'est beaucoup d'informations. On finit avec Tokyo. Donc, Tokyo, je l'ai dit, on peut le voir. Tokyo, là, c'est 35 millions d'habitants avec sa région métropolitaine. Donc, c'est quasiment le Canada dans une grande ville. J'inclus là-dedans Fukuyama, j'en oublie là, mais ça reste que c'est, en tout cas pour moi qui vis dans un village des Laurentides, ça clash. Donc tant qu'à clasher, aussi bien que ça y aille à fond. Alors on va se planter dans un quartier très moderne, très urbain, et de là on vous fait vivre une expérience plutôt moderne de la ville. J'en dis pas trop, c'est souvent un peu création du moment par les guides. On a quelques guidelines là, sur le site internet pour savoir où on va. Certainement Shinjuku. Ici, c'est pris de, du toit de l'hôtel de ville de Tokyo. J'avais peut-être bu un verre ou deux, et puis j'avais comme vraiment une sensation d'être dans Blade Runner 1982, là, celui de Ridley Scott. Je me suis dit, wow, ok, c'est urbain et moderne, cette ville. C'est incroyable. Donc, Shinjuku, tous ces quartiers animés, le divertissement, adulte, pas adulte, enfant, jeux vidéo, pff, c'est assez fou. Donc, on plonge là-dedans. Une photo d'Alexandre ici, qui est vraiment cool. L'intersection aussi à 6 voies, etc. Les panneaux publicitaires qui ont l'impression qu'ils nous parlent à nous parce qu'ils nous regardent, etc. Donc, on plonge dans le Tokyo moderne. On donne un regard là-dessus, mais encore une fois, si les gens veulent prolonger, voir d'autres choses, on va vous donner tous les outils, si vous voulez, informations de base pour être autonome puis profiter comme ça à votre rythme de cette ville-là. Donc, ça finit très bien le voyage. On va même synchroniser aussi après ça, transfert en navette pour se rendre à l'aéroport, coordonner le vol aussi avec ça. Donc voilà. Voilà. Ça fait le tour de mes deux voyages. Je me surprends d'avoir rentré ça dans 1h15 environ. Tant mieux. Eh ben, si on fait un résumé de tout ça, ben, c'est des départs en septembre. Hein, le tout début septembre, puis un le 21. 8 350 $ pour le coût du voyage, et ça inclut tous les coûts, il n'y a pas de taxes à rajouter. Le vol, c'est très relatif, mais on peut calculer autour de ça. Ça a beaucoup augmenté quand même depuis la pandémie. Et puis, c'est un scénario aérien qui arrive sur Osaka, souvent escale à Vancouver, et puis qui retourne de Tokyo, des fois escale à Vancouver ou à Toronto. On n'essaie pas trop de passer par les États-Unis, mais il y a des beaux itinéraires aussi via Chicago. Bref, on propose souvent les meilleurs itinéraires à bon prix. Vous le prenez ou pas avec nous, comme vous voulez. Donc voilà. Donc c'est là, c'est marqué la 3e édition, mais ça va être la 4e. Ça date de l'année passée. 4e édition cette année. Et puis voilà.